le nouveau maire de Sainte-Julienne. Jean-Pierre Charron. Le 4 décembre dernier, la population de Sainte-Julienne était invitée aux urnes pour élire leur nouveau maire. C'est avec une majorité de 441 votes que M. Jean-Pierre Charron est proclamé vainqueur. Déclaration de M. Jean-Pierre Charron, quelques minutes après l'annonce des résultats. Ça a été un beau travail d'équipe. Ma campagne, on l'a faite en équipe et j'ai eu énormément d'aide de mes enfants. Premièrement, mon épouse qui m'a accompagné et qui m'accompagne dans cette folie-là. Oui, c'est une folie, mais c'est une passion et Christiane, mon épouse, m'accompagne fortement là-dedans. De retrouver ma place, mon poste de maire, c'est féerique. Les citoyens ont répondu. Monsieur Charron ajoute, maintenant c'est le travail qui va débuter après l'assermentation. Mon premier dossier concerne le budget. J'ai fait une grosse promesse que la taxe foncière résiduelle n'augmenterait pas. C'est présentement à 0,455 sous par 100 $ d'évaluation et ça va rester comme ça. Et pour un deuxième dossier, un nouveau centre communautaire de Sainte-Julienne verra le jour. C'était le 4 décembre au soir après le dévoilement des résultats électoraux.